Les amis, nous sommes arrivés à un moment critique de cet appartement parce que vraiment tout est en bordel. Tout. Du coup, on va faire ça ensemble, comme ça je serai bien concentrée et j'irai pas toutes les deux secondes sur mon téléphone. Et sachez une chose, aucune pièce n'a été épargnée. Je vous montre. Bon, en vrai, cette chambre, vous avez l'habitude de la voir comme ça. Hein. Ça étonne qui? À chaque fois dans mes vidéos, j'ai l'impression que je range cet endroit. Ensuite, ici, on a des trucs qui traînent par terre. Là, le chaos total. Écoutez, pareil, la salle de bain, elle est pas épargnée. Même ici, on a des trucs qui traînent. J'ai 90 000 chaussures là-bas. Et le salon, bah... Que dire? Et ce que je vais faire aussi, c'est me donner un objectif. C'est-à-dire que là, il est quelle heure? Dis Siri, il est quelle heure? Il est 9h36. À midi, j'ai fini de ranger, d'aspirer et d'astiquer et finir tout le linge à laver. Je dirais la vie d'adulte, moi, on m'a pas préparé à ça. Genre, hier, je suis allée sur internet et j'ai écrit comment trier le linge en fonction des couleurs. Parce que j'en ai marre d'appeler ma mère et lui dire ça, ça se lave avec quoi? Ça se lave avec quoi? J'aimerais quand même savoir trier. Et on va commencer par cette chambre. J'aime bien nettoyer le make-up. Saturday by the sea, got somewhere we need to be, we just stay here. Like the feel of something new, showing up out of the blue, never been so clear. Et le lit, c'est fait. Bon, maintenant cette table qui me fait peur. D'ailleurs, regardez, j'ai acheté une nouvelle caméra. C'est pour mes vlogs parce que la caméra là, j'utilise pour l'intérieur. Et quand je suis dehors, j'utilise mon téléphone parce que je trouvais que ça filmait mieux. Mais là, j'ai acheté ça. Dinguerie. Franchement, dans la rue, je préfère me travailler avec ça qu'avec mon gros téléphone que je mets comme ça et tout. C'est trop mime. Parce que préparez-vous, plein de vlogs vont arriver. Et pas que dans un seul pays. Déjà, il y aura mon pays d'origine. Ça, c'est sûr. Vous savez, d'habitude, on fait un what's in my bag. Là, on va faire un what's in my table. Alors, tout d'abord, ici, nous avons plein de feutres de coloriage sur TikTok. Je suis tombée sur ça un jour et j'ai craqué. Et en fait, c'est génial. Et là, en ce moment, je suis en train de colorer réponse. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous voyez, il y a plein de petits chiffres. Du coup, c'est pas juste du simple coloriage d'enfant. Donc, tu dois réfléchir et tout, savoir les délimitations. J'en ai fini que un depuis que je l'ai acheté. Regardez-moi cette beauté. Bon, par contre, je pense qu'il y a une certaine technique parce que moi, ça fait quand même des traces. Ensuite, sur cette table, on a ce cahier. Regardez là, on a plein de bordel. Ça, c'était les anciens que j'avais acheté à Action. Là, j'ai plein de petites charmes que je vais mettre sur mon sac. Ça, c'est un Lego trop beau. On a un nouveau sèche-cheveux. On a des pinces, mon assiette de ce matin. Ma grosse sauce magie. Et allez, c'est parti, let's go nettoyer tout ça. Je suis grave fière, ça fait longtemps que c'était pas aussi bien rangé cette table. Sauf que maintenant, tout le bordel est ici. Bon, alors là, on a plein de trucs. Vous savez, le petit appareil que je vous ai montré tout à l'heure, là. Et ben, en fait, il vient avec une lens, objectif lentille en français. Et en fait, l'objectif, là, il est aimanté. Et ça te permet d'avoir un grand angle, c'est génial. Parce que je veux qu'on voit tout. Ah, il y avait un petit truc rangé ici. C'est un carré. J'en fais quoi, moi? Je pense que c'est un aimant vraiment pour le kiff. Mais bon, c'est un peu inutile. Alors, on va tout bien ranger. Ensuite, on a le micro. On a la petite mousse. Et en gros, c'est ça qui stoppe le vent. J'ai envie de faire des interviews, là. Donc, que pensez-vous de la sortie du film de Pierre Ninet? Ah ouais, c'est vrai. C'était très drôle. Un colis parce que là je vais partir en vacances et je me suis dit je veux être organisée. Waouh, elle est énorme. T'accroches ça et on voit tout. Tu mets ta skincare, ton make-up. Bon, moi là j'ai la place de tout mettre. En gros, je dois faire un retour, sauf que j'ai pas d'imprimante. Je sais pas comment imprimer. Bon, déjà, je vais le scotcher, comme ça, il est prêt à partir. Ciseaux. Ah, il est pas bon, ce scotch. Non, en vrai, je pense que c'est moi qui l'ai mal mis. Refais une couche. Mais il est trop nul, il se décolle. On recommence. Ok, là, je pense qu'on est bon. Et c'est avec immense émotion que je vous annonce que la cuisine est bien rangée. Waouh, waouh,
Waouh, je suis émue. Et on passe à l'avant-dernière pièce. Bon, et ben écoutez, let's go, hein. Par contre, j'ai fait une de ces découvertes aujourd'hui. J'ai appris que même les murs pouvaient être poussiéreux. Donc je dois même prendre la poussière sur les murs. Bon, il est 11h38. Oh, il est bientôt midi. À midi, j'ai fini de ranger, d'aspirer et d'astiquer et finir tout le linge à laver. Bah écoutez, il est temps de s'y mettre. Je voulais faire du sport aujourd'hui, mais MDR, le ménage, c'est assez de sport en fait. Vraiment, c'est chaotique. Et les chaussures de rentrée, elles sont là. Bon, on va faire une pause manger parce que j'ai trop faim. Il est midi et mon objectif est un échec. Mais là, il faut absolument que je finisse tout avant 15h parce qu'à 15h, il y a le Grand Prix de Hongrie de la Formule 1. Depuis 2 mois, j'ai une passion pour la F1, j'adore. En fait, c'est incroyable. J'ai regardé la série Netflix sur Netflix, Drive to Survive. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, pour ce midi, de base, j'allais partir sur des flageolets et des gnocchis. Mais vous savez, j'ai envie de quoi? Je viens de voir des pommes duchesses là dans le congèle. Du coup, on va manger des pommes duchesses. C'est pas bien de se frustrer. Et avec ça, je vais me faire un petit cordon bleu. Alors, juste ici, j'ai un gros bouton. Du coup, je vais mettre un patch le temps que la nourriture cuise. Voilà. Je vous jure, avant, je sais pas comment je faisais ça. Les patchs, ça me sauve la vie. Genre, la dernière fois, j'en avais un énorme ici. Mais en fait, il était pas encore sorti. Genre, je le sentais, il était en relief de ouf. Du coup, pendant 2 jours, j'ai mis un patch. Ça s'est affaissé, ça a disparu, même pas de pu. Et c'est l'heure de manger. Et là, je vais préparer mon petit setup. Donc, le yaourt salé, la mayonnaise. Et pour la série, je re-regarde cette série-là, The Devil Judge. Oh my god, j'ai si faim. Allez, maintenant que j'ai bien mangé, on va finir ce ménage là. J'en peux plus. Depuis 9h ce matin, je suis dessus. Des nouveaux colliers. J'aime bien, je trouve ça atypique. Et j'ai aussi commandé ce nouveau collier là. Il se ressemble un peu. Est-ce que j'ai d'autres colliers à ranger? Et tous ceux qui procrastinent à faire le ménage, j'espère que cette vidéo va vous motiver à le faire. Parce qu'après, vous vous sentez mieux. Vraiment. Bon, là, j'ai un problème avec cette table. C'est plein de petits trucs qui vont à plein d'endroits différents. J'ai trop la flemme. Mais je vais pas laisser la table comme ça. En vrai de vrai, la table, c'est le dernier truc qu'il me reste à faire. I can do it! N'est-ce pas merveilleux? C'est tout propre! Et écoutez, là c'est enfin le moment de passer l'aspirateur. Oh my god! Qu'est-ce que c'est nul le ménage? Vraiment, 2 sur 10. Même pas 0 sur 10. Non, allez, 2 parce qu'après tu te sens bien mentalement. Sigue esperando así como si el mundo llegara a su fin. Más de ti, yo quiero un ching. Quiero quitarte ese panticito suprime. Te tengo una propuesta. Y en tu mirada ya puedo ver la respuesta. Deja que los cuerpos hablen, no hace falta más. Si ya muy bien tú sabes lo que va a pasar. Tú me pones la mente a volar. Oh my god, j'ai enfin fini. Franchement, KO. Oh my god, il est 14h30. Moi qui pensais avoir fini à midi, bah non, j'ai fini 3h après. Et B, il y avait du boulot, hein. Conclusion, morale de l'histoire, c'est ranger au fur et à mesure. Comme ça, ça m'évitera de perdre carrément toute une journée. Bon, bah là, il est bientôt 15h. Et à 15h, vous savez ce qu'il y a? Il y a le Grand Prix de la Formule 1. Comme ça, je vais bien me reposer pendant 2h. Là, quand on est dimanche, je viens de sortir une vidéo. Du coup, je vais aller répondre aux commentaires un peu. Franchement, j'aime trop quand vous me laissez des commentaires, hein. Ça me fait trop plaisir. Is it all the matters that I can't get free? Shackles on my ankles, by my feet.
Par contre là ce qui est trop chiant vu qu'on est en été, j'ai les mains moites tout le temps. Du coup là quand je suis en train d'écrire mes messages, je galère. C'est invivable, je ne peux rien faire avec mes mains. Et ça y est, c'est l'heure du Grand Prix. Et ils vont se battre jusqu'au premier virage. Norris, Piastri. Bon, du coup là je suis en train de filmer avec le nouvel appareil photo. Parce que là, j'ai des petits achats à faire. Et du coup c'est le moment parfait pour utiliser cette caméra. Où j'ai acheté de la laitue, sac poubelle et lingette. J'espère que ta qualité elle est bien, hein. Parce que je t'ai payé cher. Et je compte sur toi pour mes blogs d'été. Voilà, aucun flow, mais bon. S'en fiche. J'allais dire bon allez, je vais même pas prendre mon téléphone, mais j'aurais même pas pu payer. Je suis folle moi, je suis folle. Il est vraiment rikiki, ça me fait trop bizarre. Je peux jouer avec, là j'ai un petit joystick devant et je joue avec. J'avoue quand je suis dehors, je suis un peu shy. Du coup j'ose moins crier que quand je suis à la maison. Je suis une grosse imbécile. On est dimanche. Les dimanches bien sûr que c'est fermé. Pourquoi j'y ai pas pensé? Bon bah du coup je suis en train de commander. Plan B. Heureusement que j'habite à Paris et qu'il y a cette option. Bon et bien écoutez, maintenant que tout est rangé en bas la cuisine et j'ai aussi reçu la salade, il est temps d'aller manger. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aussi motivé, parce que je sais que des fois on a besoin de beaucoup de motivation pour faire le ménage. Et voilà, bisous.